Dans la famille Roche, on est vigneron depuis 4 générations. 48 hectares d'appellation Bergerac, mais les choses changent, évoluent. Désormais, Christian Roche pourra aussi dire qu'il produit un vin dit du Sud-Ouest, un détail qui fait la différence car derrière, cela promet une aide financière et logistique. Nos moyens sont limités pour donc faire de la promotion pour la propriété, hein, donc pour l'ancienne cure. Par contre, je pense que on devrait limiter les coûts et ça nous permettra de faire beaucoup plus de choses avec la même somme d'argent que nous investissions personnellement. Grâce à ce partenariat avec l'interprofession des vins du Sud-Ouest, les viticulteurs du Bergeracois profiteront par exemple de campagnes de communication communes. Un coup de pouce financier crucial pour une petite appellation à la taille critique comme Bergerac. Nous allons être présents maintenant sur des salons internationaux comme Vinisud ou comme Provide. Jusqu'à présent, nous étions sur un stand particulier Bergerac. Cette année, pour la première fois, nous serons sur un stand groupé avec tous nos collègues du Sud-Ouest, 1 200 m², donc 10 fois plus grand, 50 vignerons dans l'ensemble, dont 15 de Bergerac. Action de promotion sur les salons, dans la grande distribution en France, mais aussi à l'export. Pour le Bergerac, le but est de se faire mieux connaître à l'étranger. Vu de Chine, ou vu des États-Unis, ou vu du Canada, eh bien, Fronton, Gaillac, Bergerac, ce sont des tout petits vignobles. Donc nous avons mené concrètement des actions au Canada, déjà. C'était les prémices de notre partenariat. Faute d'avoir pu intégrer l'illustre interprofession des vins de Bordeaux, persona non grata, le Bergerac a su rebondir. Ne reste plus maintenant qu'à signer définitivement ce nouveau partenariat.